Bienvenue d'abord à Monsieur Ali Amir Moïsi, notre conférencier de ce soir. Bonsoir à tous, fidèles et nouveaux amis. Quelques mots sur Cordoba. Depuis plusieurs années, nous décryptons, c'est ce qui est marqué sur les affiches, nous décryptons nos trois religions monothéistes. Nous nous efforçons de nous connaître et de nous reconnaître, souvent ignorants, avec des préjugés. En cette période critique, et surtout avant aussi, nous avons besoin de chercher à mieux vivre ensemble. C'est le terme employé, mais pour nous, il doit être vraiment ancré en nous-mêmes. À nous connaître et à nous aimer. Voilà. Donc, après avoir traité de la diversité dans le judaïsme, puis dans le christianisme, cette troisième conférence s'intéresse donc à la diversité au sein de l'islam. Si les termes de sunnisme et de chiisme nous sont familiers, bien peu savent précisément en fait ce qui les différencie. Ainsi, pourquoi existent-ils deux courants importants? Que représentent-ils? À quand remonte cette séparation? Nos interrogations sont nombreuses. Savez-vous par exemple que le chiisme, deuxième courant de l'islam avec 15 à 20% d'adeptes, rassemble plus de 200 millions de personnes? La leçon de ce soir pour mieux comprendre l'islam et sa diversité chiite nous est proposée par le professeur Amir Moïsi que nous avons le plaisir de recevoir. Le professeur Moïsi est directeur d'études à l'école pratique des hautes études à la Sorbonne où il occupe la chaire de l'islamologie classique. Sa direction d'études est la seule consacrée au chiisme dans le monde universitaire occidental. C'est ça. C'est l'auteur de nombreux ouvrages, dont Le corps en parlant et Le corps en silencieux, La religion discrète, etc. C'est impossible de citer tous les ouvrages et articles de référence du professeur Moïsi. C'est entre autres l'un des maîtres d'œuvre du fameux dictionnaire du Coran. Ce soir, nous recevons donc un chercheur et un historien. Je suis absolument certain qu'à la suite de cette leçon, l'islam, dans sa diversité, sera beaucoup mieux compris de vous tous. Comme pour chaque conférence Cordoba, un débat sera engagé ensuite avec notre invité. Vous pourrez donc interroger le professeur Moïsi. Je vous remercie. Je laisse la parole à notre invité. Merci beaucoup de votre accueil. Un grand merci aux responsables de l'association Cordoba. Je suis très heureux d'être là et donc je vais parler de la diversité en islam et surtout je vais parler, disons, de la principale minorité, pour ne pas dire la seule actuellement, le courant minoritaire de l'islam, c'est-à-dire le chiisme. Alors effectivement, c'est une évidence, mais il faut parfois redire les évidences, c'est que l'islam est pluriel, il n'a jamais été monolithique. Depuis le départ, il a été traversé par de très nombreux courants théologiques, exégétiques, philosophiques, mystiques, juridiques, etc. Et principalement, on pourra revenir là-dessus, pour des questions, on a parlé de la prochaine séance qui va parler des textes et de leur interprétation, peut-être quelque part, la diversité de l'islam vient de la diversité des interprétations, c'est-à-dire des différentes lectures que les différents courants, représentés par différents lettrés, différents intellectuels, avaient des écritures scripturaires, des écritures saintes de l'islam, c'est-à-dire le Coran, et ce qu'on appelle le hadith, c'est-à-dire les traditions. Alors, disons en gros, l'islam est composé d'un courant majoritaire, qu'on appelle le sunnisme, qui est considéré comme étant le courant orthodoxe, entre guillemets, de l'islam. Alors, bien sûr, c'est une orthodoxie autoproclamée, parce que le courant minoritaire se veut tout aussi orthodoxe. Donc, le courant majoritaire, le sunnisme, à peu près 4/5 des musulmans, et puis un courant minoritaire, donc le chiisme, qui représente entre 15 et 20%, donc un cinquième des musulmans, c'est-à-dire c'est une minorité quand même respectable, entre 200 et 200 millions de fidèles. Alors, l'Iran est le seul pays musulmans où le chiisme est religion d'État depuis le XVIe siècle, mais donc dont la très grande majorité de la population est chiite, à peu près entre 65 et 70 millions de personnes,
Mais il y a également des populations chiites extrêmement importantes dans d'autres pays, en particulier par exemple en Inde et au Pakistan. En Inde, Pakistan et au Bangladesh, c'est-à-dire les pays musulmans du subcontinent indien, il y a plus de chiites qu'en Iran, c'est-à-dire à peu près 80 millions. Les chiites sont majoritaires, on le sait maintenant, après les tragédies que l'on connaît, en Irak, en Azerbaïdjan, à Bahreïn. Il y a de fortes minorités chiites, on le sait, par exemple, en Syrie, en Afghanistan, en Asie centrale. Et puis, il y a des chiites qui ne se disent pas forcément chiites. Je pense, par exemple, aux Bektachi turcs, n'est-ce pas ? C'est-à-dire ils sont à peu près 10 à 15 millions qui ne se disent pas chiites, mais quand même, quand on regarde leur croyances, leur doctrine, leur système de pensée, on se rend compte tout de suite qu'il s'agit de chiites. Et puis, bon, on sait aussi que maintenant, les alaouites syriens, n'est-ce pas, sont également des chiites, les alévites turcs, les ahlahak kurdes, etc., etc. Donc, ce qui fait que, donc, on dit à peu près un cinquième des musulmans sont chiites, donc entre 200 et 250 millions. Mais nous n'avons pas de statistiques précises pour la simple raison qu'en milieu sunnite, les chiites ne se déclarent pas volontiers parce qu'ils sont parfois persécutés et ne déclarent pas leur appartenance religieuse et doctrinale. Alors, de quoi s'agit-il ? Je vais donc parler, alors il faut savoir aussi, pour clore cette petite introduction, qu'il n'y a pas un sunnisme comme il n'y a pas un chiisme. Hein, c'est-à-dire que chacune de ces grandes familles de l'islam est divisée en sous-courants, en différentes branches, différentes grandes familles, selon les prises de position théologiques, juridiques, philosophiques, etc. Et pour revenir par exemple aux chiites, il y a trois grandes familles chiites. D'abord les chiites zaïdites, dont on parle dernièrement, les Houssis par exemple au Yémen, qui sont en conflit avec les Saoudiens. Donc les zaïdites, les chiites zaïdites, première grande famille depuis le Moyen-Âge, sont à peu près entre 5 et 10 millions. On n'a pas de statistiques précises. Ensuite, deuxième grande famille de chiites, ce sont les chiites ismaéliens. Là encore, chacune de ces sous-branches sont divisées en plusieurs groupes, etc. Les ismaéliens, bon, la famille majoritaire d'ismaéliens, ce sont les adeptes de celui dont vous avez certainement entendu parler, Aga Khan, n'est-ce pas, qui est donc le chef religieux des chiites ismaéliens, c'est-à-dire, autrement dit, les chiites à sept imams. Donc, ils sont entre 15 et 20 millions répartis entre l'Inde. La grande majorité des ismaéliens sont en Inde, mais également en Afrique orientale, en Europe, aux États-Unis, etc. Et puis, la branche majoritaire dominante du chiisme, ce sont les chiites qu'on appelle les duodécimains, les chiites à 12 imams, je y reviendrai, ou les imamites. Donc, c'est cette branche du chiisme qui est religion d'État en Iran et donc qui sont entre, disons, représentent entre 150 et 200 millions d'adeptes, donc comme je vous l'ai dit, principalement en Iran et puis dans le subcontinent indien. Alors, de quoi s'agit-il ? Je vais vous parler de ce qui constitue en quelque sorte les spécificités du chiisme, ce qui caractérise les chiites au sein de l'islam. D'une manière générale, il faut savoir que, disons, la première étincelle de la naissance du chiisme remonte à la mort du prophète. En l'an 11 de l'Hégire, c'est-à-dire 632 de l'ère chrétienne. C'est pourquoi on dit que ce qui s'appelle pas encore à cette époque-là le chiisme, mais qui va s'appeler plus tard le chiisme, est le courant religieux le plus ancien de l'islam. Et effectivement, bon, petite note de bas de page, comme vous le savez, c'est un peu le cas dans toutes les religions, les courants qui deviennent progressivement minoritaires et considérés comme hétérodoxes, voire hérétiques, sont au début des religions, constituent les courants principaux. Et c'est au fur et à mesure que, si vous voulez, une certaine orthodoxie prend forme, toujours en réaction par rapport à ces courants qui sont progressivement considérés comme
hétérodoxe. C'est la même chose en islam, c'est-à-dire que, appelons-le le chiisme est plus ancien que le sunnisme qui va devenir, au cours des siècles, ça met deux siècles à peu près, deux siècles et demi, devient l'orthodoxie de l'islam. Alors, cette première étincelle provient de la question délicate de la succession du prophète. Le prophète meurt, et donc une majorité parmi les adeptes, quand on regarde les textes, disent que le prophète n'avait désigné personne pour sa succession, et donc il revenait à ses adeptes, à ses partisans, de choisir parmi ses compagnons un successeur. Et donc, ses compagnons, qui sont déjà majoritaires, vont choisir parmi les compagnons du prophète quelqu'un qui s'appelle Abou Bakr et qui devient le premier calife de l'islam. Mais à côté de cette majorité, il y avait une petite minorité qui prétendait que le prophète avait parfaitement désigné un successeur en la personne de son gendre et de son cousin germain, quelqu'un qui s'appelle Ali, n'est-ce pas ? Ou aussi le fait que les chiites s'appellent Alawites, n'est-ce pas, en Syrie, ou Alevites en Turquie, c'est-à-dire les adeptes de Ali, n'est-ce pas ? Donc Ali, cousin germain du prophète, l'époux de la fille du prophète, Fatima, et chose extrêmement importante, le père de la seule descendance mâle du prophète, hein, la personne de deux fils de Ali et de Fatima, Hassan et Hussein. Donc ça, c'est une notion extrêmement importante, c'est la seule descendance masculine du prophète, et donc les partisans de Ali prétendaient que le prophète ne pouvait pas ne pas désigner un successeur, puisqu'il s'agit d'une affaire extrêmement sérieuse, il s'agit d'une affaire sacrée, d'une affaire divine, et donc il avait parfaitement désigné à plusieurs reprises Ali comme son successeur, et donc ceux qui avaient choisi Abou Bakr comme le successeur du prophète avaient usurpé en quelque sorte la fonction de Ali et avaient eu recours à un véritable coup d'État. Donc, si vous voulez, le clivage, en quelque sorte, entre ceux qui deviendront plus tard les chiites et les sunnites, respectivement les partisans de Ali d'une part et les partisans d'Abou Bakr d'autre part, intervient extrêmement tôt, c'est-à-dire autour de la question de la succession du prophète. Et cette question de la succession du prophète s'ouvre sur une très longue période de violence et de guerre civile. Ça, si vous voulez, c'est une des spécificités de l'islam, c'est que, bon, très souvent, toute religion naît d'une manière ou d'une autre dans sa phase primitive ou dans son développement, il y a de la violence. Mais ce qui est peut-être propre à l'islam, c'est que ces violences vont durer près de 3 siècles et ces violences ont une spécificité, c'est qu'il s'agit de guerre civile. C'est-à-dire ce qui fait que, donc, pendant 3 siècles et demi, il y aura des conflits entre, effectivement, chiites et sunnites. Et là, les chiites étant minoritaires, ils ont été, dans la quasi-totalité des cas, les victimes de ces guerres civiles. Et puis, ce qui fait que pratiquement tous les personnages importants de l'islam naissant sont morts de mort violente. Et ça, c'est un point extrêmement important parce que c'est au même moment que vont s'élaborer les écritures saintes de l'islam, c'est-à-dire aussi bien le Coran et le Hadith. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie, c'est-à-dire l'articulation entre ces deux phénomènes, les guerres civiles des débuts de l'islam et la rédaction de ces textes sacrés. Alors, bien sûr, ce sont deux phénomènes qui sont liés, qui sont associés, et on va revenir dessus, et qui explique peut-être aussi le fait qu'il y a une certaine violence qui fait partie intégrante, je veux dire, des textes et de la religion naissante qu'est l'islam. Alors, en quoi consiste le chiisme ? Donc, la naissance du chiisme, c'est autour de la question donc, de l'autorité spirituelle qui doit succéder au prophète. Cette autorité dans le chiisme porte un nom, c'est un titre, le titre d'imam. Imam, I-M-A-M, maintenant le terme est presque francisé, c'est-à-dire le guide, le chef, le leader.
Et donc, pour les chiites, Ali, donc ce personnage central, qui est véritablement le centre de gravité de la religion chiite, est le, donc le seul successeur légitime du prophète, est considéré comme étant le premier imam, donc le premier guide spirituel de la communauté des fidèles. Alors, à partir de là, si vous voulez, mis à part la question politique de la succession du prophète, c'est-à-dire la question du guide temporel, ce qui intéresse les chiites très tôt, et cela se voit dès les premiers textes chiites, c'est la question de la spiritualité, c'est-à-dire le guide spirituel. De telle sorte que la figure de l'imam devient absolument centrale dans le chiisme. Moi, je le dis toujours, le chiisme est la religion de l'imam, comme le christianisme est la religion du Christ. C'est-à-dire que la figure de l'imam est le véritable pivot autour duquel tourne la religion chiite, et c'est ce qui fait du chiisme véritablement un courant spécifique au sein de l'islam. Ce n'est absolument pas le cas dans le sunnisme, j'y reviendrai. Mais on peut dire que le chiisme est une imamologie, c'est-à-dire une doctrine consacrée à la connaissance de cette figure du guide spirituel de l'imam. Toutes les disciplines religieuses, tous les domaines religieux, tous les chapitres importants de la religion chiite sont déterminés et prennent sens par rapport à l'imamologie. Du droit à la philosophie, de l'exégèse coranique à la cosmologie, à l'eschatologie, ce qui arrivera à la fin des temps, etc. Donc, c'est la religion de l'imam. Alors, pour vous donner une idée de l'importance de la figure de l'imam dans le chiisme, je vais vous parler de ce qui constitue la spécificité du chiisme, c'est-à-dire la vision du monde du chiisme. La vision du monde du chiisme, ce que je vais vous dire, je les prends dans les sources les plus anciennes de la religion chiite, c'est-à-dire, comme dans le sunnisme, dans le chiisme aussi, il y a deux écritures saintes, le Coran et puis le Hadith. Alors, moi je me fonde, si vous voulez, bon, on va mettre de côté pour le moment la question du Coran, parce que les premiers chiites et les premiers sunnites n'ont pas la même définition du Coran, hein, ce que bon, peu de gens le savent, même parfois les musulmans, ils considèrent que le Coran, dès le début, a été accepté par tout le monde, le Coran que l'on connaît, ce n'est absolument pas le cas. Pendant plusieurs siècles, il y a plusieurs Corans qui circulaient, qui étaient extrêmement différents dans leur forme et leur contenu. Les chiites avaient leur propre Coran, les sunnites également. Et puis le Hadith, là aussi, deuxième source sacrée de l'islam, les chiites et les sunnites n'avaient pas et n'ont toujours pas la même définition de Hadith. Le Hadith, pour les sunnites, ce sont les propos du prophète Mohammed, n'est-ce pas, Mahomet, et un nombre limité de ses compagnons. Pour les chiites, ce qu'on appelle le hadith dans le chiisme, ce sont les propos remontant au prophète, mais aussi à sa fille Fatima, à Ali, et aux descendants de Ali et de Fatima, c'est-à-dire la lignée des imams. Ce qui fait que le hadith chiite est extrêmement développé, puisque la lignée des imams a continué pendant plusieurs siècles, selon les branches du chiisme. Et donc, ce que je vous dis est tiré de cet énorme corpus monumental, c'est-à-dire dont les plus anciennes sources ont été parvenues jusqu'à nous, ont été rédigées entre 850 et 950 de l'ère chrétienne, n'est-ce pas, c'est-à-dire 3e, 4e siècle de l'Égypte. Et ce corpus d'enseignement des imams représente plusieurs dizaines de milliers de pages. Donc, ce que je dis en parlant de la vision du monde chiite est tiré de ce corpus monumental de hadith, c'est-à-dire les enseignements du prophète et des imams, et qui sont considérés par les chiites comme des textes sacrés. Alors, ce qui caractérise le chiisme, c'est, je dirais, une double vision du monde. Double vision du monde. D'abord, une vision que j'ai appelée duelle. La vision duelle, c'est-à-dire que, selon le chiisme, toute réalité comporte deux niveaux. Un niveau apparent, manifeste, exotérique, et un niveau caché, secret, ésotérique.
Ça, si vous voulez, c'est le couple de Zahir et de Batin en arabe, c'est-à-dire de l'apparent et du caché, de l'exotérique et de l'ésotérique, qui est absolument omniprésente dans le chiisme. Toute réalité, de la plus haute à la plus triviale, à ce double niveau donc d'être. La réalité la plus haute, Dieu. Selon la théologie chiite, Dieu lui-même comporte deux niveaux d'être, les philosophes disent deux niveaux ontologiques. Il y a d'abord le niveau de l'essence de Dieu. L'essence de Dieu, selon la théologie chiite, reste à jamais inconnaissable. C'est l'inconnaissable absolu. L'essence de Dieu reste à jamais au-delà de toute pensée, de toute imagination, de toute compréhension, de toute intelligence. Ça porte un coup à l'orgueil humain, mais c'est comme ça. L'essence de Dieu ne peut absolument pas être connue. Donc, ça, c'est le niveau caché, le niveau ésotérique de Dieu qui reste à jamais caché. C'est le niveau de l'inconnaissable. Mais si on voulait en rester là, il n'y aurait eu aucune possibilité de contact entre Dieu et les créatures, et en particulier Dieu et les hommes. Dans sa bonté, Dieu crée en lui-même un autre niveau qui n'est plus le niveau de l'essence, c'est le niveau des noms et des attributs. Et ce n'est plus le niveau de l'inconnaissable, mais c'est le niveau de l'inconnu. De l'inconnu qui aspire à être connu, c'est même ça que le chiisme appelle la bonté de Dieu. C'est-à-dire que Dieu cherche à se faire connaître, non pas dans son entièreté, il y a l'essence qui reste à jamais inconnaissable, mais il y a quelque chose en Dieu qui peut être connu. Donc nous avons un peu la même distinction que la théologie chrétienne fait au Moyen-Âge, qui parle du Dieu abscon et du Dieu révélé. Deus absconditus, Deus revelatus, n'est-ce pas ? Donc nous avons un Dieu abscon, inconnaissable, et un Dieu révélé, inconnu, mais qui aspire à être connu. Donc nous avons ce niveau, ce double niveau au niveau de Dieu. Le Dieu révélé, comment il se révèle ? Grâce à des véhicules théophaniques, c'est-à-dire il y a des êtres, et en particulier un être, qui manifeste, qui révèle ce qui peut être connu en Dieu, et cet être métaphysique est appelé dans le chiisme l'imam. La figure de l'imam, si vous voulez, avec un I majuscule, que la théologie chiite appelle de mille noms, l'homme parfait, l'homme primordial, l'homme cosmique, Ali cosmique au nom du premier imam, Ali céleste, etc., etc. Donc il s'agit d'un être métaphysique qui est le lieu de manifestation des noms et des attributs de Dieu. Or, cet être métaphysique, cet imam céleste, cosmique, a lui aussi un niveau caché et un niveau apparent. Son niveau caché, c'est justement son aspect métaphysique dans le ciel. Mais cet imam métaphysique se manifeste dans des êtres terrestres qui sont des imams physiques terrestres, c'est-à-dire des imams, des guides, mais avec un I minuscule, si vous voulez, qui sont appelés les amis ou les alliés de Dieu. En arabe, wali, pluriel, aulia. Donc il s'agit d'hommes et de femmes, c'est important, de femmes, à cause de l'importance de la fille du prophète, Fatima, n'est-ce pas, qui est la mère des imams, donc épouse de Ali. Il y a des hommes et des femmes sur terre qui, dans leur être, sont des lieux de manifestation de cet imam cosmique, lequel est le lieu de manifestation des noms et des attributs de Dieu. Donc, pour connaître ce qui peut être connu en Dieu, pour connaître le Dieu révélé, il faut connaître l'imam terrestre. C'est pourquoi, si vous voulez, nous sommes un peu dans la même dialectique que la figure du Christ dans le christianisme, qui est une figure théophanique. Et d'ailleurs, dans les ouvrages de controverses, de polémiques entre sunnites et chiites, les chiites sont toujours accusés par les sunnites d'être les chrétiens de la communauté musulmane. N'est-ce pas ? Ils disent, ce que vous dites au sujet de votre imam, c'est ce que disent les chrétiens au sujet de Christ, c'est-à-dire un homme divin.
Et donc, bien sûr, ça, c'est considéré par une certaine orthodoxie sunnite comme étant hétérodoxe, voire hérétique. Donc, on voit combien la figure de l'imam est importante dans cette vision du monde duel. Donc, ça, c'est la théologie. Passons maintenant à la prophétologie. Prophétologie, c'est-à-dire que l'islam, comme les monothéismes antérieurs, le christianisme et le judaïsme, considèrent que Dieu parle aux hommes, de temps en temps, en envoyant aux humains un messager, n'est-ce pas, donc portant une révélation, et cette révélation prend forme sous forme d'un livre, n'est-ce pas, donc des écritures. Pour le chiisme, la parole divine a elle aussi un aspect apparent et un aspect caché. On revient au couple de saint Paul, la lettre et l'esprit. La lettre et l'esprit de l'écriture. Donc, dans le chiisme, le prophète est le messager de la lettre de la parole divine. Mais chaque prophète, selon le chiisme, est accompagné dans sa mission d'un ou de plusieurs imams qui, lui, a pour mission d'initier une minorité au sein des fidèles au sens caché des Écritures, à l'esprit. Donc, par exemple, pour les chiites, Moïse était le messager de la lettre de la Torah pour la majorité des juifs. Il avait un imam, selon les traditions, il s'agit d'Aaron ou de Josué, mais le plus souvent il s'agit de Josué. Josué, qui est considéré par les chiites comme l'imam de Moïse, avait pour mission d'initier une minorité parmi les juifs au sens caché de la Torah. Cette minorité de juifs initiée par son imam au sens caché de la Torah, ce sont les chiites juifs. De même, Jésus est considéré comme ayant été le prophète, le messager de la lettre des évangiles. Il était accompagné d'imams, c'est-à-dire le chiisme considère que l'ensemble des apôtres étaient les imams de Jésus, et en particulier Simon-Pierre, qui est considéré comme l'imam principal de Jésus. Jésus donc avait apporté la lettre de l'évangile ou des évangiles à la majorité de ses fidèles, les chrétiens. Ces imams, et en particulier Simon-Pierre, avaient pour mission d'initier une minorité parmi les chrétiens au sens caché, à l'esprit de l'évangile. Cette minorité, les chiites les appellent les chiites chrétiens. On arrive à l'islam. Le prophète Mahomet avait pour mission d'apporter à la majorité des musulmans la lettre du Coran. Il était accompagné d'imams, donc Ali et ses descendants. Ces imams avaient pour mission d'initier une minorité parmi les musulmans au sens caché du Coran. Cette minorité d'initiés au sens caché du Coran, on les appelle les chiites de l'islam, c'est-à-dire les chiites historiques. Donc, les chiites, si vous voulez, se présentent comme le dernier chaînon, puisque, comme les autres musulmans, ils considèrent que Mahomet était le dernier prophète et l'islam la dernière des grandes religions. Ils se disent, ils se présentent, ou ils se perçoivent comme le dernier chaînon d'une longue chaîne d'initiés au sens caché, à l'esprit de la révélation de la parole divine. Donc là aussi, on voit l'importance de l'imam. L'imam, donc, est également celui qui initie, c'est le maître de sagesse, celui qui initie ses adeptes au sens caché, à l'esprit de la parole de Dieu. Donc, vous voyez combien la figure de l'imam est importante, c'est-à-dire qu'il est, dans sa nature humaine, on retrouve la notion chrétienne de la double nature, dans sa nature humaine, l'imam est le maître de l'esprit, le messager de l'esprit, de la dimension ésotérique de la parole. Et quel est le contenu ultime de cet esprit de la parole? C'est justement l'homme divin. L'homme divin, c'est-à-dire la figure de l'imam, ou Dieu fait homme, constitue le secret ultime des enseignements ésotériques des imams. Donc, l'imam
terrestre, si vous voulez, ou la nature humaine de l'imam, fait de lui le maître des enseignements dont le contenu est la nature divine de l'imam. Donc là, c'est une première vision du monde chiite, la vision duelle, qui est centrée sur, disons, des couples de termes complémentaires. C'est-à-dire que l'ésotérique et l'exotérique se complètent. Le prophète et son imam constituent un couple complémentaire. La lettre et l'esprit se complètent. Alors, bien entendu, dans cette dialectique, l'esprit, l'ésotérique, le cachet est plus important que la lettre, que l'exotérique. Donc, quelque part, bon, les chiites ne le diraient jamais de cette manière-là, mais bon, ça se lit entre les lignes, pratiquement c'est dans toutes les pages de l'enseignement des imams. Dans le chiisme, la figure de l'imam est plus importante que la figure du prophète. D'où aussi, c'est un des chefs d'accusation des sunnites contre les chiites, disent, vous considérez que vos imams sont plus importants que le prophète. Ce qui n'est pas tout à fait faux, puisque dans le chiisme, le prophète est le messager de la lettre et l'imam est le messager de l'esprit. Donc, nous avons, dans un premier temps, cette vision duelle des couples de termes complémentaires. Et ça nous donne, si vous voulez, ça souligne également l'importance d'une première constante de la religion chiite, c'est la notion de la connaissance, l'initiation. L'imam est le maître de la connaissance, celui qui initie ses fidèles, n'est-ce pas, à des enseignements ésotériques, à des enseignements secrets, c'est-à-dire en dernier lieu, encore une fois, on pourrait dire la divinisation de l'homme, n'est-ce pas, ou l'humanité de Dieu, en quelque sorte. Ce qui est le symbole, l'imam est le symbole de cette relation entre Dieu et homme. Et ensuite, nous avons une vision dualiste. Ce qui caractérise le chiisme, c'est une vision dualiste des choses, non pas duel cette fois-ci, mais dualiste. C'est-à-dire que pour les chiites, c'est peut-être aussi les événements historiques qui sont à la base de cette croyance, et le fait que les chiites sont très souvent les victimes de grands massacres, surtout pendant les 3 ou 4 premiers siècles de l'Égypte, c'est que pour les chiites, l'histoire du monde, c'est l'histoire d'une guerre entre le bien et le mal, entre la lumière et l'obscurité. Et étant donné l'importance de la connaissance, le bien, pour les chiites, c'est la connaissance, le mal, c'est l'ignorance. Donc le monde, pas seulement le monde humain, mais également le cosmos, n'est-ce pas, c'est le champ de bataille, d'un combat cosmique entre les forces de la connaissance et les forces de l'ignorance. C'est ça ce que j'appelle la vision dualiste du chiisme. Alors, de quoi s'agit-il? Bien sûr, les forces de la connaissance sont, d'une part, les imams et leurs fidèles initiés, d'une part, les imams ou les amis de Dieu, c'est-à-dire les prophètes, les saints, les imams de tous les temps, et leurs adeptes, d'une part, et en face d'eux, les forces de l'ignorance sont ceux, justement, qui s'opposent à la mission des alliés ou des amis de Dieu. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ceux qu'on appelle les adversaires, n'est-ce pas, et qui sont, pour des raisons que je vais expliquer, qui sont toujours majoritaires, n'est-ce pas, les forces de l'ignorance sont majoritaires et dominantes, les forces de la connaissance sont minoritaires et persécutées, et qui sont les ennemis, les adversaires? Ce ne sont pas toujours les païens, n'est-ce pas, ou les incroyants. Mais très souvent, par exemple, on donne l'exemple de ceux qui sont, chez les juifs, ceux qui se sont adonnés à l'adoration du veau d'or, n'est-ce pas. Les adorateurs du veau d'or n'étaient pas des non-juifs. C'étaient des juifs, selon la version chiite, mais qui avaient refusé Josué ou Aaron, c'est-à-dire là, le message de l'imam de Moïse. De même, ceux qui avaient écarté Ali de pouvoir n'étaient pas des non-musulmans, des païens, des incroyants,
c'était des musulmans, mais qui avaient écarté le seul initié, le seul successeur légitime du prophète, c'est-à-dire que l'adversaire, c'est celui qui refuse l'esprit, ne prend de la religion que la lettre. Et c'est cette question-là, c'est-à-dire de séparer la lettre et l'esprit, c'est d'amputer la religion de ce qu'elle a de plus profond, de faire de la religion une religion de la lettre seule, une religion littéraliste seule, ce qui fait de cette religion un moyen de domination et de violence. Donc l'adversaire, si vous voulez, pour le chiite, les forces de l'ignorance, ce sont ceux que les chiites appellent les Ahl al-Zahir, c'est-à-dire les gens de la lettre seule. La lettre seule fait de la religion un instrument de pouvoir et de répression. Donc là, si vous voulez, là encore, on voit l'importance de l'imam dans cette vision dualiste des choses, c'est-à-dire que l'imam est le chef, en quelque sorte, le guide des forces de la connaissance. Donc là, nous avons, si vous voulez, les deux constantes de la religion chiite, de la pensée chiite, l'initiation, la connaissance, la vision duelle, et puis le combat, la vision dualiste. Et là, si vous voulez, le fidèle chiite est invité à se tenir à l'intersection de cette double vision. Le fidèle chiite se considère comme appartenant à une minorité d'élite, c'est-à-dire ceux qui savent, et qui de ce fait même est persécuté. Persécuté parce que, selon la vision du monde chiite, les chiites l'expliquent par des théories cycliques extrêmement sophistiquées, c'est que l'humanité adamique, c'est-à-dire notre humanité, est dominée par les forces de l'ignorance. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors, ce qui est intéressant, et on va peut-être revenir pendant les échanges là-dessus, c'est que cette domination des forces de l'ignorance caractérise donc l'humanité actuelle jusqu'à la fin des temps, puisque la domination des forces du mal va durer jusqu'à la fin des temps et l'arrivée du Sauveur. Le chiisme est une religion messianique, n'est-ce pas, qui professe l'arrivée d'un Sauveur, d'un Mahdi ou d'un Qa'im, c'est-à-dire le résurrecteur à la fin des temps. Et ce résurrecteur est la seule personne capable à mettre un terme à la domination du mal dans le monde. D'ici là, le monde est dominé par l'ignorance et par la violence. C'est comme ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que à cause de cette croyance dans les cycles de l'humanité, et le cycle actuel est dominé par le mal, le fidèle chiite est invité à rester à l'écart de toute activité politique. Parce que le monde, de toute façon, est dominé par le mal. Donc, pour garder la pureté de sa foi, le fidèle chiite est appelé à rester à l'écart de toute activité politique, c'est-à-dire soit de vouloir abattre un pouvoir injuste, ou bien soit de collaborer avec un pouvoir. Les deux sont inutiles parce que, de toute manière, le pouvoir restera entre des mains injustes. Et c'est comme ça. Et donc, le chiite est victime de cette circonstance, mais il doit supporter, je dirais, stoïquement cette situation pour sauvegarder la pureté de sa foi jusqu'à l'arrivée du Sauveur à la fin des temps. Et c'est lui seul qui est appelé d'ailleurs le souverain juste, c'est le seul souverain juste, n'est-ce pas, qui va mettre un terme à cette situation de fait. Alors, c'est intéressant de voir selon quel processus, bon, mais ça, c'est vraiment, ça peut être le sujet d'un autre exposé, comment se fait-il qu'au sein de ce chiisme qui se définit comme une doctrine apolitique et quiétiste, c'est ce chiisme-là qui a donné naissance, par exemple, à la révolution islamique d'Iran, n'est-ce pas, ou au khoménisme, c'est-à-dire, disons, à une dimension extrêmement politisée et idéologisée de la religion. Donc il y a une contradiction dans ces deux visions du monde, et une rupture, n'est-ce pas, par rapport
aux textes fondamentaux du chiisme. Donc, double vision, vision duelle et vision dualiste, ce sont ces visions du monde qui constituent véritablement les spécificités du chiisme et qui font que le chiisme constitue un courant religieux tout à fait reconnaissable au sein des différents courants de l'islam et en particulier ce qui le distingue du sunnisme. Alors, pour terminer, ensuite, nous allons échanger. Donc, ce qui caractérise, enfin, ce qui le résultat de ces doctrines, c'est que le chiisme, dès ses textes les plus anciens, se présente comme une religion, les historiens des religions disent, religion herméneutique, c'est-à-dire une religion fondée sur l'interprétation. C'est-à-dire que pour les chiites, les textes ne se résument pas à leur littéralité, à leur texte. Ils ont plusieurs couches de sens, et donc cela revient à l'imam et à ses initiés d'aller découvrir par l'herméneutique, c'est-à-dire par l'exégèse, par le commentaire, par l'interprétation, ces sens cachés sous la lettre. Alors c'est une notion extrêmement importante, et bien sûr, si vous voulez, moi je pense que si vous voulez, cette notion même de l'herméneutique, c'est-à-dire le fait que un texte a besoin d'être interprété, cette notion est née en islam grâce au chiisme. Mais, bien sûr, ça ne reste pas limité au chiisme, c'est-à-dire que cette notion va également s'étendre au sunnisme. Dans le sunnisme aussi, il y a de courants extrêmement puissants de l'exégèse, n'est-ce pas? Mais ce qui est intéressant, c'est que, dès le départ, nous voyons en islam un conflit entre ceux qui sont adeptes de l'herméneutique, c'est-à-dire de commentaires de textes, et les littéralistes, c'est-à-dire ceux qui professaient qu'un texte, et en particulier on parle bien sûr du Coran et du Hadith, c'est-à-dire les sources saintes de l'islam, se résument à leurs lettres. Il ne revient pas à l'homme de l'interpréter, n'est-ce pas? Il faut les prendre tels quels. Alors c'est très important parce que, si vous voulez, on le sait, dans l'histoire des religions, ce qui fait d'une religion une culture et une civilisation, c'est justement cette notion d'herméneutique. C'est-à-dire de ne pas limiter une religion et ses textes à leur littéralité. De considérer qu'un même texte peut avoir des lectures et donc des compréhensions différentes. C'est arrivé la même chose en islam, peut-être d'abord dans le chiisme, mais aussi dans l'islam sunnite, dans beaucoup de courants sunnites. C'est-à-dire que l'on considère qu'un texte a des niveaux de sens différents, et donc on cherche les lunettes adéquates pour aller lire ces niveaux de sens différents. Et où est-ce qu'on trouve ces lunettes-là? Dans d'autres cultures. Dans d'autres cultures. C'est-à-dire quand on regarde de près les grands courants de pensée de l'islam, les courants exégétiques, les courants philosophiques, les courants mystiques, les courants littéraires, etc., etc., on voit que ils sont allés chercher des lunettes différentes pour comprendre leurs textes chez les juifs, chez les chrétiens, chez les grecs, chez les iraniens, chez les manichéens, etc. C'est-à-dire que la notion herméneutique crée une ouverture vers d'autres cultures, vers d'autres traditions intellectuelles et spirituelles. Alors que le littéralisme est une fermeture. D'ailleurs, quand on lit les textes littéralistes, par exemple, c'est le courant hanbalite, dans l'islam sunnite, nous avons explicitement, si vous voulez, on nous dit explicitement qu'on n'a pas besoin d'aller chercher les clés de la compréhension des textes ailleurs. Le texte se suffit à lui-même, n'est-ce pas? Ou bien on le comprend dans l'arabe où ils sont écrits, ou bien si on ne comprend pas, c'est qu'on n'est pas, on ne doit pas chercher à comprendre. C'est comme ça. Dieu l'a voulu comme ça. Et ce qui est intéressant, et je terminerai là-dessus, c'est que, d'une certaine façon, ce conflit, malheureusement, est encore actuel. Est encore actuel, c'est-à-dire que, si vous voulez, ce qu'on appelle maintenant le fondamentalisme ou l'islamisme radical,
est fondée sur un courant qui, jusqu'à il y a 30 ans, était extrêmement minoritaire en islam, le courant wahhabite, religion d'État en Arabie Saoudite, qui est un courant radicalement littéraliste. Radicalement littéraliste. Et donc, qui, effectivement, dit, bon, voilà, donc le Coran, il faut le prendre tel quel, il n'y a pas d'interprétation possible. Et donc, si vous voulez, comme le Coran, comme d'ailleurs l'Ancien Testament, comporte des parties qui sont des morceaux qui sont extrêmement violents. Donc, si vous les prenez dans leur littéralité, bien sûr, on arrive à la violence. C'est-à-dire, ce qui a atténué cette violence pendant les siècles passés, c'est l'interprétation, c'est l'herméneutique, n'est-ce pas ? Et donc, si on opte pour le littéralisme, on arrive obligatoirement à la violence. Et en face de ça, nous avons également, si vous voulez, d'autres courants qui s'opposent à ce littéralisme et qui sont surtout des courants herméneutiques. Je ne parle pas, si vous voulez, bien sûr, dans les conflits qui sont présents au Moyen-Orient. Il y a bien sûr des raisons géostratégiques, internationales, etc. Bien sûr, bien. Mais sur le plan théorique et doctrinal, on sent que, si vous voulez, bon, bien sûr, tout le monde instrumentalise la religion, aussi bien les Iraniens que les Saoudiens. Mais au moins dans leurs textes, quand on voit, nous avons le conflit de ceux qui sont adeptes de l'herméneutique, du commentaire des textes, et ceux qui sont adeptes de la littéralité. Et c'est très intéressant, et en même temps dramatique, que ces choses-là sont encore actuelles. Je vous remercie. Je voudrais poser une question bête pour commencer. Pour ce qui est du littéralisme, on dit souvent qu'il y a un fondement dans le texte lui-même qui tient au fait que le Coran aurait été dicté au prophète lettre par lettre et que le prophète était illettré, symboliquement, c'est-à-dire apte à recevoir de manière passive justement ce texte. Que peut-on dire là-dessus ? Pouvez-vous nous parler de ces branches-là, les Azraqites, les Ibadites et les Sofrites, les trois que je viens de citer, s'il en existe encore ? Ma question sera beaucoup plus simple. En vous entendant, j'ai eu l'impression qu'il y avait plusieurs versions du Coran. Or, est-ce que j'ai compris qu'il avait été... qu'il n'avait pas été, selon ce qui a été rappelé par le premier intervenant, pas dicté mot à mot au prophète, mais qu'il y a eu plusieurs écritures. Est-ce qu'aujourd'hui encore, il y a plusieurs versions du Coran écrit ? Alors, vous savez, la croyance en la sacralité du Coran a une histoire. Enfin, nous sommes là en tant qu'historiens, non pas en tant que croyants ou... Et aucune croyance ne tombe du ciel, n'est-ce pas ? Et pour devenir une croyance, une doctrine a besoin du temps. Et les musulmans ont mis pratiquement 3 siècles pour avoir, disons, une opinion plus ou moins unanime sur le Coran, c'est-à-dire considérer que le Coran que l'on connaît, le Coran officiel, connu de tous, est une version authentique des révélations faites au prophète Mohammed. Mais pendant 3 siècles et demi, il y avait énormément de débats et de guerres. C'est de ça que je parlais, de guerre civile, justement autour des Corans qui circulaient. C'est-à-dire que chaque faction, chaque courant théologico-politique, enfin pas chaque, mais les sources, d'ailleurs pas seulement chiites, mais également les sources sunnites, parlent de au moins 4 Corans différents, c'est-à-dire 4 codex ou recension coranique différente qui circulait pendant plus de 3 siècles parmi les musulmans. Donc, et en particulier, si vous voulez, là aussi, la question annexe, la question de l'illettrisme du prophète. L'illettrisme du prophète est une doctrine qui date de la fin du 3e siècle. Maintenant, on sait, les historiens le savent, que ça n'a aucune base historique. Nous avons énormément de textes,
qui nous parle justement du fait que le prophète était en train de lire tel texte ou bien de d'écrire des lettres à tel ou tel. C'est que, si vous voulez, l'illettrisme du prophète fait partie de ce qu'on pourrait appeler l'apologétique musulmane. C'est-à-dire de dire, voilà, il s'agit d'un prophète illettré, donc il s'agit d'un miracle qu'un prophète illettré. Donc ça fait partie de la rhétorique apologétique, mais ça n'a aucune base historique. Et d'ailleurs, pendant, je vous dis, trois siècles, et même après, c'est-à-dire les savants musulmans connaissent bien les textes qui parlent du fait que le prophète lisait et écrivait. Donc, si vous, une chose. Ensuite, la croyance, par exemple, en la sacralité du Coran et le fait que le Coran est incréé. Vous savez, là aussi, c'est 3e, 4e siècle. C'est-à-dire, c'est une croyance assez tardive, finalement. Assez tardive. C'est-à-dire, jusque-là, il y avait énormément de courants et de savants qui ne considéraient pas que le Coran tel quel est la parole incréée de Dieu. On parlait, comme dans d'autres religions, des révélations faites à Mohammed et transcrites par lui en arabe. N'est-ce pas ? Il y a eu énormément de discussions pour dire, mais dans quelle langue, par exemple, arrivait au prophète la révélation ? N'est-ce pas ? Dans quelle langue ? Donc, ça a mis 2-3 siècles. Et finalement, si vous voulez, l'orthodoxie sunnite a fini par dire qu'il s'agit de... Le Coran est incréé, Dieu parle en arabe, n'est-ce pas ? Et que c'est cette parole en arabe qui a été révélée au prophète, et que c'est intéressant, c'est qu'au même moment, il y a un courant théologique qui est devenu extrêmement puissant, c'est le courant Ash'arite, qui est fondé sur une notion théologique importante, c'est la notion de sans comment, en arabe, bila kayf. C'est-à-dire, ces choses-là paraissent effectivement irrationnelles, n'est-ce pas ? Mais si on ne les comprend pas, il ne faut pas se demander comment. C'est comme ça. C'est comme ça. Bon, ce n'est pas un scoop pour l'islam, c'est à peu près dans toutes les religions. Les religions, les orthodoxies prônent quelque part la doctrine de sans comment. Donc, pour répondre à votre question, c'est que cette notion de la sacralité absolue du Coran a une histoire. Pendant 3 siècles, ce n'était pas le cas. En parlant de la diversité, oui, vous avez raison, mais vous savez, en 50 minutes, on peut difficilement parler de la grande diversité de l'islam. Je n'ai pas parlé du kharijisme, qu'on n'appelle plus le kharijisme, mais l'ibadisme, justement, parce que, si vous voulez, bon, même ceux qui se considèrent maintenant comme ibadites, c'est-à-dire qui se disent, pour des raisons idéologiques, ni sunnites ni chiites, ils sont extrêmement peu nombreux par rapport à ces deux grandes branches, n'est-ce pas ? Ils sont moins de 30 millions sur 1 milliard 500 millions, ce n'est pas grand-chose. C'est pour ça que je n'en ai pas parlé. Et puis, bon, effectivement, on va remonter, c'est-à-dire les kharijites historiques, c'étaient les partisans de Ali au début, devenus ses ennemis parce qu'il n'était pas d'accord avec un traité de paix qu'il avait signé avec ses adversaires. Et donc, c'était les premiers kharijites, c'était les partisans de Ali devenus ses ennemis. Et donc, ils ont constitué pendant quelques siècles, disons, un troisième grand courant, à part les chiites et les sunnites. Mais bon, effectivement, ils se sont installés en Afrique du Nord, surtout, et à Oman, en Arabie. Mais, disons, depuis au moins 7 ou 8 siècles, sur le plan théologique et sur le plan juridique, les kharijites ont adopté les positions sunnites. C'est pourquoi on ne peut pas vraiment les considérer comme un troisième courant. C'était un troisième courant pendant les premiers siècles de l'islam, mais ensuite ils se sont sunnitisés, je dirais. C'est pour ça que je n'ai pas parlé d'eux. Pour la troisième question, c'est effectivement, si vous voulez, bon, les sources nous parlent d'au moins 4 recensions coraniques différentes. Mais ce qui nous intéresse, et nous avons des données textuelles assez nombreuses sur la question, en gros, si vous voulez, nous avons un Coran qui est le Coran officiel que l'on connaît et qui daterait, je dirais, au conditionnel, parce que ce sont des questions extrêmement compliquées, c'est un domaine d'étude en devenir, le Coran officiel que l'on connaît et qui est maintenant considéré comme le Coran des musulmans,
daterait de l'époque du cinquième calife omeyyade, Abdelmalek, c'est-à-dire qui a régné entre les années 65 et 85 de l'Égypte, donc à la fin du 7e siècle. À la fin du 7e siècle. Pardon ? Voilà, 705, par là, 685-705. Donc, ce calife a proclamé le caractère officiel de ce Coran, mais ça ne veut pas dire que tous les musulmans ont accepté ce qu'il disait. C'est devenu, si vous voulez, la version officielle du Coran, ce qu'on appelle, les savants appellent le Coran impérial ou le Coran califal, mais les adversaires des Omeyyades au pouvoir n'ont jamais accepté, enfin jamais pendant 2 siècles et demi, n'ont pas accepté cette version du Coran. Et en particulier, les premiers chiites qu'on appelait les Alides, c'est-à-dire les partisans de Ali, qui considéraient que ce Coran officiel était une version falsifiée du Coran. Pour eux, la seule version authentique du Coran était la recension de Ali, qui, selon eux, était 3 fois plus volumineuse que le Coran que l'on connaît. Et, bon, on peut en parler un peu de ça, c'est qu'il disait que, effectivement, dans ce Coran originel, qui n'existe plus, mais les textes chiites ont des citations de ce Coran, donc des citations coraniques que l'on ne trouve pas dans le Coran officiel, qui faisait partie du Coran chiite, il disait que ce Coran originel contenait énormément d'informations sur les contemporains du prophète, sa famille, ses amis, ses ennemis. Et ses ennemis, par un coup d'État, ont pris le pouvoir après sa mort. Donc, une des premières choses qu'ils ont fait, c'était de censurer leur propre nom et les noms des amis du prophète de ce Coran. Ce qui fait que ce Coran est devenu extrêmement fragmentaire, parfois difficilement compréhensible. Alors, ça, c'est la version chiite, mais il faut que je dise que, si vous voulez, ça va un peu dans le même sens que certains spécialistes du Coran ont relevé dans le Coran. C'est-à-dire qu'on a relevé dans le Coran qui existe deux anomalies, qui a posé question dès les premières études orientalistes sur le Coran à la fin du 19e siècle, surtout en Allemagne. Les Allemands, qui ne connaissaient pas les textes chiites encore, disaient « Le Coran appartient à une tradition textuelle. » D'ailleurs, il se présente comme ça. Le Coran se présente comme un prolongement de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il suffit de regarder le nom des prophètes bibliques, n'est-ce pas, les histoires des prophètes de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, etc. Le Coran ne dit pas autre chose. Donc, il appartient à une tradition textuelle qui comprend l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors, ce qui caractérise l'Ancien et le Nouveau Testament, ce sont des noms des personnes contemporains des prophètes. Lorsqu'on parle de Moïse, vous avez plein de noms de sa famille, de ses parents, de ses amis, de ses ennemis, etc. Dans le Nouveau Testament, la même chose. Vous avez l'histoire de Jésus et le Nouveau Testament parle des parents, des amis, des adeptes, des ennemis de. L'anomalie coranique, on ne parle jamais des contemporains du prophète. C'est-à-dire que Abraham, Moïse, Noé, Jonas, Zacharie, Jésus sont cités des dizaines et des dizaines de fois dans le Coran. Mahomet, en tout et pour tout, 4 fois, et aucun contemporain. Aucune mention de sa famille, de ses amis, de ses ennemis, etc. Donc, ça a posé question aux spécialistes du Coran dès le 19e siècle. Et deuxième question, c'est qu'on disait pourquoi le Coran est si décousu? Il n'y a pas une sorte de trame narrative dans le Coran. C'est-à-dire, là aussi, anomalie, rupture par rapport au texte de l'Ancien et du Nouveau Testament. Vous avez une histoire, l'histoire de Moïse, n'est-ce pas? Il y a un début, un milieu et une fin. Même chose dans les évangiles, n'est-ce pas? Ce n'est pas du tout le cas dans le Coran. Le Coran parle de Jésus, n'est-ce pas, de manière dispersée. On a l'impression qu'on a coupé comme ça l'histoire de Jésus, on a dispersé les différents morceaux aux différents endroits du Coran. Histoire de Moïse, la même chose. Le début est à la fin du Coran, la fin est au milieu, etc. Pourquoi cette structure décousue? Pourquoi le Coran est si fragmentaire? Alors,
La perception chiite du Coran, bon, ce n'est pas une réponse à ces questions. Mais c'est une réponse, et la réponse chiite, c'est que le Coran originel contenait le nom des contemporains du prophète et que pour des raisons politiques, ce Coran-là a été censuré, on a enlevé les noms, et c'est ce fait-là qui a fait que le Coran est devenu si décousu, parfois si incompréhensible. D'ailleurs, les chiites appellent le Coran silencieux, c'est-à-dire un Coran qui a perdu sa parole, et parallèlement, l'imam est appelé le Coran parlant. C'est-à-dire, c'est l'enseignement du Coran qui redonne au Coran sa parole. Sans l'interprétation ou l'herméneutique du Coran, le Coran reste muet. La communauté chiite en France, ça représente quoi ? Vous avez parlé de l'importance des imams. Aujourd'hui, nous qui sommes en dehors de cette communauté ou qui ne connaissons peu, on entend beaucoup parler des imams, de leur formation. Y a-t-il une formation particulière pour les imams chiites en France ? Et sont-ils représentés dans la communauté des musulmans en France ? Ma question peut se raccorder, même si ce n'est pas obligatoire, à celle qui vient d'être posée. Pourquoi est-ce que le chiisme a un clergé et le sunnisme pas ? Parmi les soucis qu'on a, pour nous qui ne sommes pas musulmans, on a celui-là. Alors je me pose la même question que ce monsieur. En Europe, les imams, est-ce qu'ils ont cette personnalité dont vous parlez d'initier à l'esprit, ou est-ce qu'ils sont, on les voit de tout autre œil en général? Bonsoir, merci. J'ai deux questions. Une sur le courant de l'Irtizal, le courant rationaliste, si vous pouvez nous en dire un mot, parce qu'il a une actualité aujourd'hui. Et puis la deuxième, c'est sur la question de l'interprétation. Est-ce qu'il existe dans le chiisme l'équivalent de ce que les médiévaux ont institué dans l'Église catholique, les quatre sens de l'écriture, et donc une formalisation de ce qu'est l'interprétation. Je connais que le Esbab al-Nuzul, les circonstances de la révélation, est-ce que ça va au-delà de la question historique pour interpréter le texte ? L'interprétation va-t-elle jusqu'à l'application au texte des sciences historiques et des autres sciences humaines ? Bien sûr, il y a l'exégèse médiévale, mais il y a aussi l'exégèse d'aujourd'hui. La première et la troisième question, c'est pratiquement la même chose. C'est-à-dire les chiites en France et la question des imams. Alors, pour les chiites en France, je n'ai aucune idée, parce que pour la simple raison que les chiites ne se déclarent que très rarement chiites. Et puis, pardon ? Apparemment, il y en a une petite à Montreuil, mais bon, qui est également fréquentée par les sunnites, ce n'est pas, mais apparemment. Bon. C'est également le cas dans beaucoup de pays, hein, c'est-à-dire que les chiites, peut-être aussi pour des raisons historiques, il n'y a pas tellement de pratiques religieuses collectives dans le chiisme. C'est-à-dire qu'il y a très peu, si vous voulez, bon, en Iran, pour des raisons politiques, ça a été réhabilité, la prière collective, mais historiquement, il n'y a pas de prière collective chez les chiites. Donc, ce qui fait aussi que... Et puis, le fait que beaucoup de chiites ne se disent pas chiites. Alors, la question des imams, il faut savoir que... madame m'a posé la question. Le sens du mot imam est extrêmement différent dans le sunnisme et dans le chiisme. Les imams dont on parle, ce sont, si vous voulez, les savants religieux ou, par exemple, ceux qui dirigent les prières dans le sunnisme. On parle de l'éducation des imams, etc. Là, on est dans le sunnisme. N'est-ce pas ? Dans le chiisme, le mot imam est un mot sacré. Les imams sont les descendants de Ali et de Fatima. Donc, selon les branches du chiisme, on a des lignées d'imams différentes, mais en particulier, moi, je parlais de la branche majoritaire du chiisme, les chiites duodécimains, n'est-ce pas, religion d'État en Iran. Le nombre des imams se limite à 12. Ça s'arrête au 11e descendant de Ali, n'est-ce pas, qui s'est occulté, n'est-ce pas, au 9e siècle et qui est devenu l'imam caché. Bon, vous avez entendu parler de l'imam caché et qui va revenir en tant que sauveur à la fin des temps.
Donc, si vous voulez, dans le chiisme, quand je parle de l'imam en tant que maître initiateur, sage initié ou l'homme divin, je parle du chiisme. Ça n'a rien à voir avec ceux qui dirigent les prières dans les mosquées, n'est-ce pas, ou ceux dont on parle de l'éducation, etc. Ça, c'est donc, si vous voulez, le terme imam dans le chiisme est aussi sacré que le terme, par exemple, rasoul, prophète, dans le sunnisme. N'est-ce pas? Le fait, pour vous donner un exemple, le fait que, dans le chiisme même, que Khomeini, donc, qui était le guide de la révolution iranienne, ait porté le titre d'imam, ça a causé d'énormes problèmes aux ayatollahs, n'est-ce pas? C'est-à-dire aux dignitaires religieux, parce que pour ces gens-là, le titre d'imam ne peut être porté que par les descendants directs de Ali, n'est-ce pas? Et donc, si vous voulez, les grands dignitaires religieux, au moment où on a décerné le titre d'imam à Khomeini, ont protesté, en disant que dans le chiisme, il n'y a que 12 imams, il n'y en a pas 13e, n'est-ce pas? Mais bon, Khomeini jouait un jeu ambigu, c'est-à-dire qu'il a dit « Oui, mais mon titre a le sens sunnite, dans le sens de leader politique, n'est-ce pas ?» Mais bon, il savait très bien que dans un milieu chiite, ça lui donnait une certaine sacralité, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez, ça n'a rien à voir. Les imams dont on parle maintenant à longueur de journée dans les médias, là, nous sommes dans un autre univers religieux. L'imam dans le chiisme, c'est autre chose. N'est-ce pas? Alors, le clergé, oui, c'est-à-dire c'est un phénomène propre au chiisme imamite duodécimain, religion d'État en Iran. C'est-à-dire que les autres branches du chiisme, ismaéliens ou zaïdites, n'ont pas de clergé. C'est un phénomène assez récent, c'est-à-dire ça date du XVIe siècle, XVIe, XVIIe siècle, lorsque justement la religion chiite devient la religion officielle de l'Iran, à partir du règne des Safavides en Iran. Et peut-être justement à cause de l'occultation du dernier imam. C'est-à-dire ce chiisme-là n'avait plus de tête spirituelle, n'est-ce pas, depuis plusieurs siècles. Et c'est à cause de ça que, pour des raisons politiques, c'est-à-dire que ces savants-là, qui étaient également des leaders politiques, ont dit, si on veut que le chiisme soit véritablement une religion institutionnelle et collective, il faut que l'absence de l'imam, cette lacune, soit comblée par une autre autorité, c'est l'autorité du juriste théologien. Non, c'est-à-dire, non. Là, il s'agit de savants tout à fait terrestres qui n'avaient rien de sacré, n'est-ce pas? Ce sont des juristes. Oui, mais ça n'a pas le même statut. Hein, ce n'est pas le même statut, c'est-à-dire que vraiment, ce sont les juristes théologiens du clergé chiite ne sont pas considérés comme des saints, n'est-ce pas? Mais simplement, bon, ils ont pour mission de faire respecter la pratique religieuse. Mais c'est vrai que parfois les choses sont ambiguës. C'est-à-dire ils ont obtenu une stature presque sacrale. Mais c'est assez exceptionnel. Mais ce qui est intéressant, c'est que, effectivement, mais en même temps, bon, ça permet une certaine discipline, une certaine gestion plus facile, je dirais, de la communauté des fidèles. Ce qui n'existe pas dans le sunnisme, c'est-à-dire dans le sunnisme, n'importe qui peut se déclarer imam et puis professer, disons, des doctrines juridiques et théologiques, selon certaines règles. Mais dans le chiisme, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire les choses sont vraiment contrôlées. Mais le côté peut-être négatif, c'est que ce clergé devient peu à peu une sorte d'État dans l'État, surtout en Iran, n'est-ce pas? Et qu'à partir d'un certain moment, bon, ils ont recours à l'instrumentalisation politique du religieux. Ce qui est arrivé en Iran, c'est ça. C'est un long processus, n'est-ce pas, mais qui va en quelque sorte de la rationalisation, parce que ce sont des rationalistes, et je vais répondre à la question de monsieur, qui va d'une certaine rationalisation, c'est-à-dire politisation du religieux, à son idéologisation. Alors, effectivement, monsieur a parlé de Etizal, c'est-à-dire les Mu'tazilites, c'est un courant théologique ancien dans l'islam et qui prône, si vous voulez, deux notions théologiques importantes.
le libre arbitre et puis la question de la raison comme instrument de la compréhension du monde. Et si vous voulez, effectivement, c'était un courant extrêmement intéressant, très au fait de la pensée grecque, n'est-ce pas ? Mais qui a été malheureusement balayé par le vent de l'histoire et par l'orthodoxie sunnite qui a opté pour le courant ash'arite. Alors ce qui est intéressant, c'est que le mu'tazilisme, c'est-à-dire ce courant rationaliste, a disparu assez tôt, c'est-à-dire vers le 6e siècle de l'Égypte, 12e siècle de l'ère chrétienne, de l'islam. Il a disparu en tant que tel, mais il a continué dans le courant majoritaire du chiisme imamite. C'est-à-dire que les grands savants du clergé chiite sont des mu'tazilites, n'est-ce pas ? Adeptes d'ailleurs du libre arbitre et également de la raison en tant que instrument de pensée religieuse. Alors pour les quatre sens de l'interprétation, bon, on n'a pas exactement la même chose en islam et ni dans le chiisme. Mais il y a, disons, différentes catégories d'interprétation, n'est-ce pas ? On utilise le terme de ta'bir, de tafsir, de ta'wil, etc. Donc, en gros, bon, c'est un domaine assez sophistiqué, mais en gros, là aussi, dans le chiisme, vous avez une interprétation exotérique et une interprétation ésotérique. Alors, exotérique, c'est l'interprétation grammaticale, lexicographique, théologique, etc. Et l'interprétation ésotérique, ce sont des interprétations surtout imamologiques, c'est-à-dire une interprétation mystique et philosophique. Alors, qu'est-ce que... Ah oui, les sciences humaines, malheureusement, non. C'est-à-dire que si vous voulez, là, vous mettez le doigt sur un point extrêmement important. Extrêmement important, c'est-à-dire que la question de l'histoire et de la philologie, n'est-ce pas, en parlant des deux, c'est peut-être le problème de l'islam, en quelque part, sur le plan intellectuel, c'est-à-dire mettons de côté toutes les raisons liées à la géopolitique, à la politique internationale, les grandes puissances, bon, mettons de côté. Mais sur le plan intellectuel, je pense que le problème de musulmans, y compris le lettré, c'est qu'il n'a pas encore intégré l'histoire. C'est-à-dire, comment ça s'est passé, si vous voulez, bon, c'est une histoire extrêmement riche. Ce qui s'est passé en Occident, après l'exégèse, par exemple, médiévale de la Bible, c'est l'introduction de l'histoire et de la philologie, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a considéré que les autorités religieuses ne sont pas des autorités, ce sont des auteurs appartenant à une histoire, à une géographie, à une langue, n'est-ce pas ? Et à partir de là, on a introduit le contexte dans les textes. Alors, ça a pris des siècles en Occident, mais finalement, si vous voulez, c'est cela qui a abouti, quelque part, à la Renaissance, à l'humanisme, aux Lumières, séparation de l'Église et de l'État, etc. C'est-à-dire à partir du moment où on a historicisé les choses. C'est-à-dire quoi ? Sur le plan intellectuel, la distance critique par rapport aux choses de la foi. Distance critique. Cette histoire-là est une histoire occidentale. Qui n'est pas. Si, quand même, je veux dire, bon, peut-être, bien sûr, si vous voulez, c'est une discipline en évolution, mais je veux dire, cette distance par rapport aux choses de la foi est pratiquement intégrée, après des siècles de conflits et de violences aussi, c'est intégrée, je veux dire, dans la mentalité occidentale, aussi bien chez les juifs que les chrétiens. Mais les musulmans n'ont pas encore intégré cette histoire-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette distance critique, l'introduction de l'histoire, de la géographie dans les Écritures. Ce qui fait que, si vous voulez, la notion même de l'histoire est un peu étrangère
Pourquoi, si vous voulez, les conflits sont si violents actuellement? Parce que tout ce que je dis là est encore actuel. Est encore actuel, n'est-ce pas? C'est-à-dire le massacre de Ali, de ses fils, Hassan, Hussein, le Karbala, etc. C'est comme si c'était arrivé avant-hier, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'histoire. Tout est éternel pour le croyant, n'est-ce pas? Et c'est ça qui fait que, si vous voulez, il n'y a pas de distance critique et donc la violence. Et donc la violence quand on a affaire à des textes qui contiennent de la violence, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez, pour la question d'interprétation, on n'a pas encore intégré, je veux dire, dans les pays musulmans, y compris les chiites, mais les chiites sont plus ouverts, si vous voulez, vers ces, je dirais, ces résultats des sciences humaines que les sunnites, n'est-ce pas? Bon, c'est une figure, n'est-ce pas? On ne peut pas le généraliser, mais je vois par exemple dans les pays chiites, il y a des écoles, par exemple, entières, qui ont pour tâche de traduire dans les langues du pays, en particulier le persan et l'arabe, les travaux islamologiques occidentaux. Ça n'existe pas dans les... Il y a des écoles entières, hein, c'est-à-dire qui traduisent de l'allemand, de l'anglais, de français, etc. C'est-à-dire des études critiques sur l'islam. Et ça, c'est très nouveau, enfin très nouveau depuis une quinzaine d'années. Donc, je pense que ça fait son petit chemin, mais ça va être long. Ça va être long. Comment considérez-vous le soufisme? Pardon? Le soufisme, oui, c'est, disons, la dimension spirituelle et mystique de l'islam. Alors, il y a énormément de convergence entre un certain soufisme et un certain chiisme. Hein. Là aussi, il n'y a pas un soufisme. Mais le soufisme aussi, c'est une, si vous voulez, une lecture herméneutique des textes, mais appliquée à la vie pratique, en quelque sorte. C'est-à-dire comment comprendre les textes afin de se perfectionner, de se purifier, etc. Mais là, nous avons affaire à, vraiment à une dimension spirituelle, pratique, confrérique de l'islam. Là aussi. Pas par les sunnites, le soufisme est sunnite, par définition. Non, mais par certains sunnites, oui, par les wahhabites, certainement. Oui. Alors malheureusement, bon, les choses sont compliquées. Par exemple, dans le Caucase, que je connais assez bien, les ordres soufis se sont wahhabisés à cause peut-être des atrocités russes. Donc ils sont radicalisés alors que ce n'était absolument pas le cas il y a 20 ans ou 30 ans. Ma question était un peu plus globale. Comment vous expliqueriez ce que j'appellerais l'énorme succès de l'islam? C'est-à-dire, on dit souvent qu'il y a à peu près 2 milliards de chrétiens et 1,5 milliard de musulmans. Donc ils sont... de musulmans sur une durée beaucoup plus courte. L'islam est une religion, on peut dire qu'il y a certains aspects assez contraignants. Si je prends un seul exemple, le fait d'interdire de boire de l'alcool n'est sans doute pas le meilleur argument marketing pour convaincre les fidèles. Et pourtant, c'est une religion qui a converti énormément de monde en une durée assez limitée. Est-ce que, d'après vous, c'est lié à une qualité ou une force théologique particulière? Bon, évidemment, ma question peut avoir des retentissements contemporains, mais je pense que c'est vrai aussi sur la durée. Comment vous expliqueriez cette force spécifique de l'islam et cette capacité à avoir converti autant de monde sur une durée finalement assez limitée? Alors, le Coran est un texte composite, je pense. Même en le lisant dans une traduction, on s'en rend compte assez aisément. Et d'ailleurs, d'après, bon... les dernières études, c'est que sa rédaction a duré quelques décennies et a été effectuée probablement par un groupe de scribes appartenant peut-être à des factions politico-théologiques différentes. Bon, tout ça ne répond absolument pas à ta question ici. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on regarde le Coran lui-même, le Coran ne nie absolument pas ses racines juives et chrétiennes. Au contraire, il insiste sur le fait qu'il perpétue la tradition de Moïse et de Jésus. Ce sont les deux personnages les plus importants. Mais je dirais, quelque part,
Jésus est encore plus important. Il est le seul qui est appelé Messie, Al-Masih. Il est le seul qui est appelé le Verbe de Dieu, Kalimatullah, et l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas? Ce qui n'est pas le cas des autres prophètes bibliques. Bon, là, si tu veux, il y a vraiment énormément d'études, surtout depuis maintenant 30 ans et encore plus particulièrement depuis une quinzaine d'années, sur le contexte du Coran, les sous-textes, etc. Et ce qui est pratiquement sûr, c'est que nous avons affaire, dans une grande partie du Coran, probablement à une communauté judéo-chrétienne. Alors, entre guillemets, bon, c'est une expression un peu floue et énigmatique. C'est-à-dire des juifs qui croyaient en Jésus, en sa nature messianique et christique, mais qui restaient juifs, avec des croyances et des pratiques juives, c'est-à-dire le Shabbat, la circoncision, l'interdiction du porc, etc. Donc tout ça, nous avons des attestations massives dans le Coran, mais également, et ça on le sait, il y avait des juifs, mais qui croyaient, n'est-ce pas, en Christ, c'est-à-dire dans la personne de Jésus. Donc nous avons affaire à probablement une communauté judo-chrétienne et peut-être un christianisme non orthodoxe, c'est-à-dire différent de l'église, de la grande église catholique de Constantinople. Donc maintenant, quel courant du christianisme? Ça, c'est difficile à dire. Nestorianisme, monarchianisme, montanisme, arianisme, ça on ne le sait pas. Mais d'une certaine façon, le Coran participe au débat christologique, n'est-ce pas, de cette époque. C'est-à-dire que le Jésus du Coran est un Jésus Christ et le Verbe de Dieu, mais en même temps, il n'est pas Dieu. L'insistance du Coran sur le fait qu'il s'agit de Issa, Jésus, ben Mariam, fils de Marie. N'est-ce pas, ça vient comme une sorte de leitmotiv pour dire qu'il ne s'agit pas du fils de Dieu. Et ça, on le sait que ça existait aussi parmi beaucoup de courants chrétiens. Donc, non catholique. Alors, l'arabisation, moi je pense que dès le début, le Coran était arabe, parce que ces courants judo-chrétiens, chrétiens, juifs, étaient extrêmement présents parmi les Arabes, peut-être pas de l'Arabie même, mais de l'Irak et de la Syrie. Il y avait énormément de tribus arabes dans ces contrées-là, et qui étaient christianisées ou judéo-christianisées depuis des siècles. Mais ce qui est peut-être un peu problématique, c'est qu'à partir d'un certain moment, je pense là aussi ça date de l'époque d'Abdelmalek, on essaie d'arabiser même le contenu, pas la langue, mais le contenu. C'est-à-dire que de faire peut-être oublier le fait que pour les premiers musulmans, Jérusalem était la ville sainte par excellence. Le Coran ne parle ni de Médine ni de la Mecque, n'est-ce pas ? Donc c'est probablement une réhabilitation postérieure, le fait qu'on a fait venir le foyer de la révélation dans le Hijaz, c'est-à-dire en Arabie occidentale, ce qui n'était peut-être pas le cas à l'origine. Donc là, la langue arabe, moi je pense, est la langue d'origine du Coran, mais l'arabisation du contenu, c'est-à-dire que c'est une religion des Arabes, ça c'est peut-être plus tardif. Alors, succès de l'islam, vous savez, tout est relatif. Force spécifique, ça, je n'en sais rien, je ne crois pas. Il n'y a pas de force spécifique, c'est-à-dire que c'est l'histoire et la géographie qui déterminent ces choses-là. Le fait que, effectivement, l'expansion musulmane au début a été fulgurante, là, il n'y a pas de doute. Mais peut-être c'était à cause de la faiblesse des deux grands empires de l'époque, c'est-à-dire les Byzantins et les Sassanides, justement. Une des raisons de ces faiblesses, c'était les conflits christologiques, où les gens s'entretuaient, n'est-ce pas, à longueur de siècles, à cause des conflits christologiques, aussi bien à Byzance d'ailleurs qu'en Iran. N'est-ce pas? On oublie qu'on croit toujours que l'Iran a été zoroastrien, mais pas tout le temps. Le nestorianisme a été religion d'État en Iran pendant plus d'un siècle et demi, hein, le christianisme nestorien. Et donc, si vous voulez, et on oublie une chose, c'est qu'on croit que les pays conquis
par les Arabes au début sont tout de suite passés à l'islam. Ce n'est pas du tout le cas. Ça aussi, ça fait partie de l'apologétique musulmane. On sait que, par exemple, les Coptes chrétiens de l'Égypte sont devenus minoritaires au XIIIe siècle. Au XIIIe siècle. N'est-ce pas ? C'est-à-dire VIIe siècle de l'Égypte. Pendant sept siècles, ils sont restés majoritaires. N'est-ce pas ? C'est la même chose pour les populations chrétiennes, par exemple, de la Syrie et de l'Irak. Donc, le phénomène de la conversion de masse est extrêmement long. Extrêmement long. Alors, mais en même temps, vous avez raison, c'est-à-dire l'expansion de l'islam en Afrique noire, par exemple, ou en Asie du Sud-Est, c'est aussi, je ne sais pas, c'est peut-être du fait que, justement, l'islam est une religion assez simple. Assez simple. C'est-à-dire que, si vous voulez, bon, moi, je n'ai cessé de parler de l'orthodoxie islamique, etc., mais en fait, ce qui compte pour l'islam, c'est l'orthopraxie. C'est-à-dire de pratiquer un certain nombre de rituels qui sont extrêmement simples. N'est-ce pas ? Il n'y a pas de subtilité christologique, n'est-ce pas, ou de subtilité spéculative, métaphysique absolument sophistiquée en islam. N'est-ce pas ? Pour devenir musulman, il suffit de dire deux phrases. N'est-ce pas ? Et donc, si vous voulez, moi je pense que ça a joué un rôle important. D'une part, et puis le fait aussi, peut-être, mais ça se discute, vous savez, même parmi les spécialistes, le fait que l'islam, dès le départ, a été la religion des commerçants. Donc, la dimension économique et commerciale est extrêmement importante, et qui peut être séduisante aussi pour les peuples conquis. N'est-ce pas ? C'est-à-dire que vous n'avez absolument pas, sauf pour certaines catégories de fidèles, une dimension ascétique, spirituelle, extrêmement poussée. N'est-ce pas ? C'est la religion de la vie quotidienne du monde. N'est-ce pas ? Et donc, c'est-à-dire que appartenir à une telle religion, ça donne un sentiment de pouvoir. N'est-ce pas ? Moi, je pense que la dimension économique et commerciale est extrêmement importante. Alors, pourquoi l'islam radical et comment le combattre ? Ça, vous savez, bon, ça me dépasse. J'aimerais bien avoir une solution. Mais je pense que, si vous voulez, bon, c'est une question extrêmement complexe. Alors, pourquoi l'islam radical progresse ? C'est directement lié, vous savez, au prix du baril saoudien. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est vraiment... Non, ça paraît anecdotique. Mais les wahhabites dépensent des sommes astronomiques pour l'expansion de leur doctrine. Astronomiques. Vous savez, bon, j'ai su il y a très peu de temps que ceux qui vont faire des études en Arabie Saoudite, à Riyad, à Médine, etc., reçoivent un salaire, y compris les Occidentaux. Et des salaires extrêmement importants. Ça, je l'ai lu dans le journal. L'épouse de quelqu'un qui s'était radicalisé, je crois son mari était algérien, qui était parti en Syrie, donc qui, dans le journal, disait, voilà, mon mari est allé faire ses études à Médine, il est revenu, on a acheté un appartement à Paris, n'est-ce pas, on habitait dans une banlieue, je ne sais où, grâce au salaire qu'il a reçu pendant 3 ans, pendant ces 3 années d'études. Bon, ça commence là, mais également, je veux dire, pour la construction des mosquées, des orphelinats, pour distribuer des tracts, pour envoyer des imams, etc. etc. Donc, voilà. Et quand je dis les Saoudiens, ça veut dire aussi les milieux financiers. N'est-ce pas ? Donc, si vous voulez, l'islamisme, c'est aussi une histoire de gros sous. Il ne faut pas croire. Bien sûr, je ne parle pas, si vous voulez, de l'aspect folklorique, n'est-ce pas, la barbe, le voile, bien sûr. Bon, là c'est un peu le côté visible de l'iceberg. Mais, si vous voulez, ça fait gagner énormément d'argent à beaucoup de gens. À beaucoup de gens. Rien que la vente d'armes. Maintenant, il y a la guerre qui va du Nigeria jusqu'en Afghanistan. Imaginez un peu la masse d'armement qui se vend. Donc, il y a énormément de gens qui ne veulent absolument pas que ça se termine. Et ces gens-là, vous savez, les tanks, les kalachnikovs, etc., on ne les achète pas à l'épicier du coin, n'est-ce pas, en Afghanistan. Bon, on dit toujours que c'est des contrebandiers. Oui, mais les contrebandiers achètent où les armes ? Les grandes puissances, n'est-ce pas ?
Donc, comment éradiquer l'islamisme? On y est, vous savez, avec le Panama Papers. C'est la même histoire. C'est la même histoire. C'est la même histoire. Malheureusement.